Tu dis bonjour. Bon, elle dit bonjour à sa manière. Et en fait, elle dit au revoir. Voilà. Va te coucher. T'es puni. Voilà. Bon, bienvenue sur la chaîne de Zung Dating pour un nouveau rendez-vous. Enfin, ouais, pour un nouveau rendez-vous, tout simplement. Nouveau rendez-vous sur Naruto X Boruto Ultimate Storm Connection. Le nom est de plus en plus long. Ouais, bon. Alors on a perdu le Kaiwatch, enfin à moitié parce que bon il y a toujours Pouni, y a Pouni Pouni qui est là, mais bon Pouni Pouni va pas tenir la chaîne à lui tout seul. Putain mais t'es chiante toi tu sais. Ouais d'accord. Ouais donc bon je me suis dit on perd un jeu, autant récupérer un. Et pourquoi pas faire du Naruto? Je sais pas si ça va vous plaire. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Le Storm Connection, je trouve plutôt bien, même si je pense que le 4 était meilleur. J'ai pas joué au 4, mais j'avais vu des gameplays, j'avais vu des trucs et tout. Et je crois que le 4 était quand même un peu mieux. C'est pour ça aussi que par rapport au 4, celui-là, il est pas si bien noté que ça. En tout cas sur Play. Alors on va peut-être lancer le jeu parce qu'à chaque fois, ils vont mettre la cinématique. Et puis bon, vous l'avez vu au début en entier, donc bon, voilà. Donc j'ai une dizaine d'heures sur le jeu, un tout petit peu moins. Voilà. Mais ça m'a suffi pour apprendre un peu à jouer un minimum quoi. De toute façon au début du jeu il y a un tutoriel et tout pour nous expliquer comment on fait. Donc voilà, donc. Évidemment il y a le mode histoire. Alors le mode histoire je l'ai pas fait en entier. Hein. J'ai juste fait les deux premiers chapitres et je vais vous montrer. Alors oui, donc du coup le jeu peut contenir des spoils, donc pour ceux qui veulent pas être spoil, ne regardez pas trop. Mais de toute façon, je ferai pas beaucoup d'histoire. Je ferai pas beaucoup de mode histoire. Si vous jamais vous voulez que je fasse plus de Naruto, je ferai pas de mode histoire, je pense. De toute façon, même moi aussi, ça pourrait me spoil parce que j'ai pas fini l'animé. Je suis dans les épisodes 250 par là. Je suis au moment où Kabuto on va dire, a ressuscité Deidara. Enfin, pas entièrement parce que c'est pas lui et c'est pas le vrai Deidara. Et ils sont allés chercher Kyubi, enfin Naruto du coup, sur l'île. Enfin, sur la tortue du coup, parce que c'est pas une vraie île, sur la tortue où Naruto s'est entraîné avec Bi afin de contrôler Chubby. Voilà, je suis sûr à ce moment-là. Donc je pense que dans le mode histoire, dans le jeu, ouais, j'en suis pas là, je suis à la fin du chapitre 5, on va dire. Voilà, c'est ça. Ouais. Après, il y a voilà, la grande guerre et tout, et le combat final et tout, voilà. Mais nous aujourd'hui on va faire du combat libre juste pour vous montrer le jeu pour ceux qui connaissent pas tout simplement. Donc moi j'aime bien faire du versus. Donc le mode de difficulté et c'est le deuxième plus haut. C'est expert quoi, je crois, ou c'est celui d'en dessous, je sais plus. J'ai regardé. Je sais plus si c'est là. Ouais, je sais pas. Donc voilà, donc il y a les 100 meilleurs personnages de Naruto dans les personnages qui sont jouables. Même si bon, dans les 100 persos, il y a quand même des formes. Hein. Genre, il y a Sasuke, pardon, avec toutes les formes qu'il a. Je trouve ça dommage parce qu'ils aient mis les formes comme compter comme un personnage. Ce qu'ils auraient pu faire, c'est mettre un seul personnage et on peut choisir la forme à partir de celui-là. Par exemple, il n'y a qu'un seul Sasuke et quand tu prends Sasuke, tu peux choisir la forme que tu veux. Voilà, parce que moi, je trouve qu'il y a des personnages qui méritent d'être là. Genre, Kurenai, j'aurais bien aimé qu'elle soit là, notamment, par exemple, parce que j'aime bien le perso. Voilà. Donc j'aime beaucoup faire de l'aléatoire aussi. J'ai pas joué tous les persos, mais s'il y en a bien un que j'aime bien, c'est Minato. Minato, je kiffe Minato. Il tape vite, il fait mal. Vraiment, je l'aime. J'aime bien. Donc on va faire un petit combat en aléatoire. Donc Sasuke Uchiwa dans le sommet des 5 Kage, Obito Uchiwa et Kaguya. Ok, d'accord. Donc Kaguya, je vois qui c'est, hein. Je crois que c'est celle qui a le chakra infini. Ouais, Mifune, ok. Ça va, le combat est pas mal. Ok, épreuve préliminaire Chunin, je crois que c'est la map. J'ai pas bien vu. Ah si, on est là, ouais. Si. Ouais, donc le sommet des 5 Kage pour Sasuke, c'est là où il a commencé à péter un câble avec les ténèbres. Oh, par contre, les combos sont incroyables. Sasuke contre Sasuke, c'est pas mal. Surtout que je pense que Sasuke en mode The Last,
Il est plus fort que Sasuke en mode 5 Kage parce qu'il a plus d'expérience. Mais bon, faut pas oublier que ça reste des bots. Hein. Après, on peut jouer avec des vrais joueurs. Donc, si jamais vous voulez quoi, jouer contre vous, on peut. Mais après, faut se rappeler que j'ai que 10 heures de jeu. Donc, si jamais vous êtes vraiment très fort, voilà quoi. Je vais peut-être pas m'amuser. On va prendre Obito. Oh là là. Putain, ça fait mal ça. Ouais, c'est une illusion quoi. Enfin, peut-être que je le tape aussi, j'aimerais bien, mais bon. Il... Allez, Obito, tu peux le faire. Voilà, parfait. Deuxième manche, commence maintenant. Et il maîtrise le Mokuton comme Yamato. Ah, par contre, il prend toute la place sur l'écran. Hein. Oh, bon, dans les trois là, je préfère jouer Sasuke, je trouve. Il tape plus vite. Et puis il fait mal. Parfait. Vraiment sans intérêt. Ouais bah oui, il était comme ça dans le sommet des 5 Kage. Voilà. Donc aussi comme vidéo, ce qu'on pourrait faire, c'est genre vous me dites un personnage et moi je le joue et puis je vous donne mon avis. Puis bah, ça pourrait être bien. Hein. Ah bon, après je l'ai pas tous testé hein, mais j'avoue que Minato j'aime bien, Tsunade aussi j'aime bien, je trouve qu'elle est vraiment sympa à jouer. Kakashi enfant je le trouve bien, je le trouve même mieux que les autres formes de Kakashi. À jouer je le trouve plus drôle. Aussi dans le jeu ce qui est bien c'est qu'il y a quand même des combos, par exemple si vous faites des personnages qui vont ensemble dans le mode histoire, bah, vous avez des combos quand vous faites des attaques combinées, notamment si vous faites les trois là, notamment Kakashi, Obito et Rin, eux quand ils combattent ensemble et que vous faites des attaques combinées, il y a une cinématique spéciale, tout simplement qui se débloque. Voilà. Apparemment il y a les 100 ninjas les plus forts de l'anime quand même. Après, bon, pour moi, il y a des personnages, genre, je sais même pas ce qu'ils foutent là, mais bon. Genre, je veux pas dire qu'ils sont pas forts, les personnages qui sont là, mais bon, il y en a, genre, on les a vus que 2 secondes et pourtant ils sont déjà là. Mais bon. Aussi, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est aussi des entraînements et tout, quand vous vous demandez de tester un perso. Voilà, donc on pourrait vous dire un personnage et puis moi je le joue et tout. Ça pourrait être sympa. Un peu comme on faisait sur Blaster ou quand vous me demandiez de jouer à Yokai et de me dire s'il était fort ou pas. Enfin, et genre, je vous disais s'il était fort ou pas et quand je faisais des guides, c'était marrant. C'était vraiment bien. Même si, bon, j'ai vu quelques vidéos et apparemment, bon, je sais pas le personnage le plus fort, mais je sais que par exemple Naruto en mode Baryon est pas mal. Je sais qu'il est très fort. Je sais pas où il est. Ouais. Naruto en mode Baryon, je sais qu'il est très fort, notamment. Ouais. Parce que j'ai juste avant de tourner la vidéo, j'ai vu une vidéo justement d'un mec qui en parlait et apparemment il est vraiment très fort. Ouais. Bon voilà, c'était une vidéo comme ça.
Donc si le jeu vous plaît, petit pouce bleu, abonnement, commentaire, vous pouvez partager, ça ferait très plaisir. Je sais pas quand est-ce que sort cette vidéo. Alors là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 18, il y a la vidéo Puni Puni qui est sortie le même jour. Il y a d'autres vidéos aussi que j'ai déjà tournées en avance. Donc bon, je sais pas si ça sortira tout de suite ou pas. À ce moment, vous verrez bien. Bon, c'était Tsunugachin, je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous plaît. Ciao.